Et à présent, là, pour nous bon nouveau sport, Paris Inlika s'abonne dernier jour. Encore sorti, c'est basketball, tournoi champion club l'océan Indien, qui pour demain nous bon nouveau sport. Et là, il y a un quatrième défaite pour club Comorien UCM, ressorti dans son dernier match sa tournoi. Sa l'équipe y perdit 49-51 contre B-Challenge, qui fait saute pour ne remporte aucun match. Tandis que le côté Bansom, Cospéen y fait victoire 89-47 le Maebourg Flippers, sorti Maurice. Et après, il y en a Premium Cobras qui fait victoire 77-70 le Bovano Heat, qui fait sa l'équipe Premium Cobras aussi, pourquoi perdit aucun match. Et au cours quatrième la journée hier, tenant encore victoire pour Montfleury et Premium Cobras. Montfleury a besoin de tout dehors pour être capable de passer devant club Comorien UCM. Score final a passé seulement un point, 62-61. Dans notre dernier match demain, Montfleury pour rencontrer B-Challenge. Pour l'équipe Bonfleury, c'était notre deuxième fois qu'ils ont soin UCM sorti Comore. Dans l'esprit, aller faire une rencontre facile à Paris. La première rencontre, ils ont éliminé ces tas de sens en croyant qu'une victoire est capable bon pour autres faire autres contre autres premiers. Mais ils sont capables de dire qu'ils sont devant l'équipe Bonfleury qui est une batte d'autres dans le premier round. Mais tout de suite, c'est le premier cas assez balancé. Côté là, après 10 minutes, seulement 2 points qui se passent de l'équipe, 14-12. Donc, tu laisses dire que tu prends un rencontre assez dit dans lui-même. Le deuxième cas, moment qui Montfleury met plus pression de l'attaque, si toi, à travers le désert étranger, la garde bien sa Champion League 2017 de sa rencontre. Banner Comorien, Isis Boulevers, Balaro. Montfleury, sa plus bonne équipe, ses autres qui t'a pu maintenir un peu au jeu. L'autre histoire contrôle sa rencontre. Deuxième 10 minutes, côté la Champions League CC l'année passée, Montfleury y met 27, UCM y met 12. Tina arrive 41-24, avait dit Montfleury Tina plus bien placé pour faire différence de sa rencontre. Troisième cas, les qui sa l'équipe en blé, il simplement quoi, qui sa rencontre, Tina finit donné. Pas nécessairement pour quelque chose facile, c'était l'équipe UCM qui refait complètement. Depuis là, c'était une pression totale à l'osé Montfleury. Et j'ai réussi à coster le score. L'étin arrive 49-43. Là, l'Oba Montfleury, t'in paraît qu'il y en a trop beaucoup capitaine. Alors, il est normal qu'il s'y bateau, il monte le sec. Un troisième cas, côté sa l'équipe en vert. J'ai typé simplement rester sa meilleure équipe de sa car. Et l'air qu'ils ont pris, c'est autres qui restent fort même parce qu'ils ont dominé complètement sa troisième cas, 21-10. Montfleury, quand même ça, il restait bien devant. Pain les cas, 51-45. Là, présent, t'in venait a fait 6 points. Alors, de sa quatrième cas, Tipouen, côté toute l'équipe, Tipé Vigny avec Kabi qui ont fait une différence, mais ça qui s'y plie bien capable, rester plus de défense et Simon fait un peu quelque chose plus bien, qui est capable de faire une différence. Mais les qui vont visiter, ils croient qu'ils sont capables de chamboulou au bord trou, veut dire, veut les autres, comment les autres sortent. Et ça, moment qu'il a, c'est les autres qui font une différence là de sa rencontre, si tous les autres réduisent sa score 51-49. Là, ça, l'équipe en vert met tout dehors. Laisser détermination prendre place, les qui sont capables de faire ça, sinon personne n'est pas capable de barrer. Les autres, même capables d'égaliser le score 55 partout. Après, même 57 partout, un quatrième cas qui est capable d'aller n'importe côté et n'importe ça de l'équipe, qui est capable de faire une différence. C'est tout pour UCM qui, il faudrait dire, tu envoies tout quelque chose là de sa rencontre. Ça va être Comorien, tu peux démontrer que basketball Comorien, il refait complètement. Dans sa quatrième cas, Montfleury, il perd 11-16. Mais ils sont quand même capables de sortir un petit peu de l'eau parce qu'ils sont capables de dominer certains cas. Là, par un écart, un simple petit point, 70-61. Montfleury est débloqué pour les autres capables pour une deuxième victoire contre UCM. Sans doute, une deuxième victoire qui tient beaucoup de réflexion et capable de dire pour Montfleury capable d'apprendre là de sa rencontre. Pour qu'on ait le temps confus d'en battre un team par 19 points. Il est en revenu avec lui, où j'ai trop beaucoup de confiance. Et ça, c'est une situation qui peut arriver, le temps où trop confiant. Et par contre, le temps où était, oui, nous plus supérieurs qui sa team, nous veut, comme premier côté, nous à peu près, et deuxième côté, nous voyons l'écart. Et par contre, là, nous retournons au troisième côté qui nous a trop confiant, pour dire nous finir dans le game. Et ça, c'est un résultat.
Montfleury joue un big challenge demain dans sa dernière rencontre compétition zone 7 l'Afrique. Définitivement, on a préparé un petit peu la base, un petit peu technique. On a vu sa dernière match avec big challenge et pour nous, nous peut être ça comme un final. Et pareil à Montfleury, puis même Cobras aussi, peut maintenir les autres parcours zéro défaite pour une deuxième fois dans sa compétition. Hier, sa champion Cécile, il bat Maïbourg Flippers sur Timorice, 66-37. Premium Cobras est donc resté parmi les favoris pour remporter sa compétition basketball zone 7 l'Afrique. Un autre reportage, Georges François. Pour Premium Cobras en blanc, qui ont la première victoire contre Maïbourg Flippers, Tiplis, qui a l'IK 20 points. Déjà le papier ticlé qui a sa rencontre qui point donné pour sa Champions League Cécile l'année passée. Les premiers 10 minutes contre quelque chose qui assez tranquille pour sa Champions League Cécile en 2017. Côté là, vous mettez 15 points. Flippers, vous mettez 11. Dans le deuxième quart, contre Premium Cobras, tu as comme une domination totale contre sa équipe, son Timorice, qui jusqu'à présent, c'est la seule victoire de sa compétition. Il compte l'autre équipe, c'est celle de sa compétition. Bouvalon Hit, tu n'es pas capable de voir autre jouer, Simon, tu peux rester un petit peu en bas pression là. Pas capable de comprendre qui bande d'allons tu as pu faire, mais quand même ça, tu n'es pas un petit peu mal débrouillé. D'un cas, contre là, tu bien poussé à l'équipe, premièrement Cobras, vous êtes resté en tête, les autres mettent 20 points, Maïbourg, Flippers, seulement 5, là, tu arrives 35, le 16. Pour premièrement Cobras, c'est le temps, fait si, qui toujours y passe le crotte, là, tu as sa bonne rotation, pour être capable, fait si, qui là, tout le monde y participe un peu dans le jeu. Contre l'équipe Maurice, qui est une supplémentaire de sa compétition en zone 7 d'Afrique, avec B, qui est un petit peu. Niveau qui basketball club y était de la région. Raison pour ça, y parce que l'année prochaine, il Maurice qui organise sa Jeu des îles. Alors, il est important qu'on ait un petit peu, par exemple, dit tâte de l'eau, voit un petit peu qui baille basketball y était de la région, même si dans sa compétition, il manque à présent sa bonne équipe sortie. La Réunion, encore des troisième quart, Cobra s'était maintenu un jeu qui capable de faire autre jeu, vint bien. Simon Zota Tiberi, c'était sa meilleure équipe. Différence, Satin finit à y donner depuis le commencement. La Cobra garde bien autre concentration de sa rencontre. Après 30 minutes de jeu, la score, il arrive à 48 à 20. Védi et l'écart, 28 points. Et déjà, l'eau score difficile, voir qui m'a dit, ben d'allon, tu peux capable de refaire. Même si par l'aise, vous êtes débrouillé un petit peu, mais pas chassé. Dans le quatrième cas, côté Cobra, pour continuer à rester comme sa meilleure équipe, jouez plus bien en termes de basketball. Pour Flippers, 10 fois, vous n'êtes pas capable de débrouiller, même si vous êtes fait tomber Bovalon Hit. Après 40 minutes de jeu, la Cobra est restée bien en commande. C'est vous qui fait une différence contre sa équipe sortie Maurice. Cobra y battait l'OSCO 66-37. Match bien pour nous, score, il dit pour lui-même. Nous profitons pour une bonne zone, temporiser un peu, nous ne pas mettre tout dehors à cause du premier game aussi. Nous battons Maurice, un cas bien grand. So, aujourd'hui, nous respectons même pareil. Et tout de même, nous temporiser, nous ne pas mettre full kilo dehors, comme dit Cosé. Et nous avons une bonne zone jouer. Et graduellement, nous avons un match plus important, nous définitivement, nous niveau pour monter. Justement là, d'autres connaissent un match intéressant contre l'équipe Malgas, qui est le guetté là. Look, premier cas avec Malgas, nous utilisons un very good defense. Nous avons besoin de continuer pareil, pas juste 5 quarters, mais tous les 4 quarters, tough defense, et ça qui fait nous prendre lead. Mais le premier match, Malgas, c'est sans stratégie, vraiment, comment se tape nous jouer. Et ça, tu m'as assez, dans notre faveur, à cause de nous besoin, tu get carried away, tu sorti le match. Mais nous devons préparer nous pour ça. Et pour un final, si demain nous gagnons sa game contre Beauvalon, et pour un final dans les mêmes. Et nous pouvons faire ici, nous pouvons battre plus sa dernier match. Nous avons une petite amélioration par rapport au jeu. Je suis satisfait parce que nous connaissons qu'il y a une équipe au-dessus de nous, mais nous restons travailler avec eux parce que notre objectif c'est au moins qu'on passe au podium. Donc je nous fais un peu le bon jeu aussi. Et moi satisfait avec la performance du bon. Et sa tournoi champion club l'Océan Indien pour terminer demain avec bon dernier match deuxième round. Là, il y a Maïbourg Flippers sur Timorice qui pour jouer contre Bovalon Hit. Sa match pour commencer à partir 3h après-midi.
après 5 après-midi pendant un match femme entre les deux clubs Cécélois, Saï Montfleury et Kirby Challenge. Et dernier match demain pour à partir 7h du soir contre la Premium Cobras pour face contre club Malgas Cospéen. Football, aujourd'hui, il est supposé en un match ligue, c'est pour la première division entre Revengers et Gdalans, mais ça match Panzwe et Action Football première division pour continuer demain avec deux matchs. D'abord 5h, Foresters pour jouer contre Saint-Michel. Après 7h15, Red Star Defense Forces pour face contre Northern Dynamo. Ça des matchs pour jouer Stade L'Unité. Et bien voilà, nous l'étons ensemble, il termine la pause aujourd'hui. Pour plus d'actualités sportives, gardez-vous rendez-vous demain.